Le désert de Nabata. Les terres, des terres qui brûlent le jour et gèlent la nuit. Elle méprise les quiconque pénétrer ces terres et condamnée à errer à jamais. Oh non, une mob de sable! Je vais me déplacer à deux à l'heure. Lors du terre, Mertitsé a parlé d'une légende vivante. Guidé par les mots du Mertil, Iwood se dirige droit vers le désert. Oh non, je déteste les mobs de désert. Oh, bah. Voilà, il se déplace super lentement. Il fait trop chaud, je n'en peux plus. Eh, hey, vous voulez que je vous porte sur mon dos? Comment? Vous semblez surpris. Avec l'armure que t'as, si je me mets sur ton dos, je vais ressembler à un œuf grillé. Sur le plat. Ça ne vous ressemble pas d'être aussi prévenant, Hector. La chaleur vous faut-elle délirer? Qu'est-ce que cela signifie? Je veux simplement vous éviter de perdre connaissance. D'ordinaire, vous êtes si bourru, le pauvre enfant est déboussolé. Je ne sais pas, Génis. Laissez-le vous aider, mais... Écoute ce que vous dit, jeune homme. Ah, c'est un enlèvement! Oh, vieux, le secours, au secours! Ah, merde! Il y a un artwork! Ah, il y a un artwork, merde! Ah, je vais tomber! Le marquis a dit, entrez dans l'air puis allez vers l'ouest. Vous verrez quelqu'un. Hélas, nous n'avons vu personne. Est-ce raisonnable d'aller plus loin? Vous êtes à l'entrée du zer. J'ai vu de l'herbe à droite de l'écran. Donc vous êtes à l'entrée du zer. Donc vous n'êtes pas allé bien loin. Je crois bien que non. Approchez. Pardon? Déjà, vous avez qu'à prenez mon bras si vous voulez. Je ne pourrai. Bah allez. Très bien. Pardonnez-moi. Quelque chose ne va pas. C'est étrange. Quoi donc? Vous nous traitez, mon frère et moi, si normalement... Ça ne vous dérange pas? Notre pouvoir, notre apparence, sont aussi différents des autres gens. Ça vous dérange, vous? Ou est le mal à être un peu différent des autres? Quand je vous regarde, je ne vois pas les autres gens. Je vois simplement Niniane. Je vois une jeune fille normale et généreuse. Vous êtes sincère? Oui. Lord Hollywood. Daeski. Hollywood, sa main. Je crois que quelqu'un s'approche. Est-ce ce Lord de Pent? Non, il s'agit d'un groupe envoyé par Uther de Citia. Ok, il va les retrouver et les conduire jusqu'ici. Votre compagnon ratisse encore le désert. Et savoir difficile à trouver ce qu'il cherche, non? Non, c'est sûr qu'il le trouvera bientôt. Mais des bandits approchent dangereusement. Les empereurs de Pent sont prêts à attaquer. Oh, c'est... Avez-vous peur pour sa vie? Non, Lord de Pent sait très bien se défendre. Mais s'il ne repart bientôt... Oui. Cela vous donne-t-il des dénis sur nous? C'est pas qui, Noma? J'attends Lord de Pent, mais j'imagine que vous d'avoir très faim. Lord Athos, qu'y a-t-il? C'est vous, lui, je vois une femme si drôle. Depuis que Pent vous a emmené ici, j'accumule les fous rires. Je vous en remercie. Pardon? Je suis pas sûr de comprendre. Je suis heureux d'avoir pu vous servir. En fait, nos visiteurs viennent de Lycia, c'est bien cela? Je demande ce qui les a amenés ici. Prends un chirmage. Vous êtes si pâle, vous allez bien? Quand la roue de la fortune se met à tourner, plus personne ne peut l'arrêter. Mais tant qu'il y aura de l'espoir, les gens n'ont de cesse d'essayer. Ils ignorent la catastrophe qui les attend. Lord Hollywood, Niniane. Là-bas, quelqu'un est attaqué. Vous en êtes sûr? Ah, c'est sûrement lui. On dirait un homme seul contre un ami. Allons l'aider. Il n'y a rien de plus intérêt qu'un combat déloyal. Attendez, je viens avec vous. Hé, hey, vous deux. Où vont-ils chercher toute cette énergie? C'est incroyable. Décidez-vous. Allez-y. Entre amis, il faut se serrer les coudes. Oh, regardez un peu cette âme généreuse, Jasmine. C'est moi ou tous les méchants bandits avec un car design se ressemblent entre tous les Fire Emblem parce que bizarrement leur gueule m'est pas inconnue. Elle est un peu différente de Pass of Radiance, mais elle est très proche de ça. Hein. Les termes disposés de nous donner son trésor. Oh oh, Paul, je crois que tu as raison. Quelle générosité! J'ai passé ce jour et des nuits à le chercher. C'est trop dur pour le laisser à de vulgaires voleurs. Qu'il est grossier! Et dire que nous voulons lui faire une fleur en le laissant vivre. Nous sommes des créatures fragiles, ne jouez pas avec notre sentiment. Vous êtes méchant. Il est vraiment trop méchant, tu ne trouves pas, Jasmine?
Oh, Paul, je sais bien, je sais bien, je sais trop bien. Il m'a brisé le cœur. Quoi, toi aussi, Jasmine? T'es trompé également, Paul? Alors, il faut le convaincre de reconsidérer cette affaire. Croyez-moi, je ne vous veux aucun mal. Oh 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 oh! Lui, faut le voler, faut le voler, faut le voler, faut le voler. Il a un diamant, il a un diamant. Il me faut un voleur, il me faut un voleur. Faut voler aussi celui-là. Ok, déjà il me faut un voleur. Et Pen, je le recrute avec qui? Bon, Lynn, vu que tu me fais chier, tu dégages. Il me faut un voleur. Rebecca, faut que j'essaye... Hâte. Un arc fer... Je prends Matthew. Leur tête se vale, donc... J'ai dégagé Lynn parce qu'elle va me servir à rien dans cette map. Bon, on va aller en bas. Avec elle. Donc faut pas que je tue lui. Faut pas que je tue lui. Lui, j'en ai rien à foutre, je peux le tuer. Jasmine, pourquoi? Ah bon, bah t'es mort, hein. Ah merde, j'ai oublié de donner... J'ai oublié de lui donner... Oui, j'ai regardé les stats de Pen, j'ai vu, merci. Ah.
Oui, bah c'est une unité promue en même temps. Je serais à compo... Allez, critique. Oui, bah les fanboys là, il va se calmer, hein. Le fanboy, il va se calmer là. Non, alors là, c'est dans le genre de cas qu'il faut esquiver, tu vois, Lucius. À 39, tu esquives. Prends pas le coup. Paz, tu es gay, sache-le. Tu vois, à 44, t'étais l'esquive. Ouais, bah, chevalier dragon contre chevalier pégase, c'est une relation qui... Voilà, 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 voilà. J'ai juste dit que t'étais gay, hein, c'est tout. J'ai pas dit que j'aimais pas les gays, j'ai juste dit que t'étais gay, hein. Pour être un fanboy de ce mec à ce point. J'ai... Oh oui, d'accord, critique. Génocide. Je crois que le combat est déloyal. En fait, le mec, tout seul, il pouvait génocider tout le monde sur la map, hein. Le mec, hein. En mode, je m'en bats les couilles. Le mec, il peut génocider tout le monde sur la map. En mode, je m'en bats les couilles, frère. Ouais, il fait un génocide, oui. Un bon gros génocide des familles. Mais du 33%, j'esquive pas ça. Mais putain. Il a produit chez les bandits de Pent. Il a fait un Pent à kill. Allez, critique. La vengeance du Lucius. La suite de Harry Potter. Quel mec il apparaît comme ça Attends, elle peut tuer qui? Bon, elle peut tuer lui. Mais regardez-moi! Elle esquive tout, cette meuf! Elle esquive tout! Mais regardez-moi ce monstre! Thank you.
Y'a-t-il moyen que tu génocides pas ce PNJ? Non. Y'a pas moyen. Forcément, je vais le génocider. Yup, Chiki. Oh non, ils vont tous attaquer à Lucius, ils vont crever comme des cons. Bon bah, rip, la sage bague, hein. Ils vont tous attaquer à Lucius. Faites gaffe ou la maman, elle va faire des Théo. Si vous comptez à vous battre. Ça va. Putain, au moment où je me dirige vers le haut, en fait, il décide d'attaquer lui. Putain. Fuck. Le jeu me troll. Alors, nouveau meme d'internet fait créé par le JDG par rapport à Fortnite. C'est, tu vois. Je n'ai pas écouté l'avis des gens qui jouent à Fortnite. Et là, je suis le JDG à 100%. Je t'ai mis un joli lien YouTube, Chiki, avec Everyone, dans le général, ou dans le lien vidéo, je sais plus, avec le time code de la vidéo au moment où il dit ça, le JDG. Eh ben, ce que je viens de te dire, tu vois, je n'ai pas écouté l'avis de quelqu'un qui joue à Fortnite. Et ça va devenir un meme sur internet, je le sens celle-là. Ça va devenir un meme, je vous le dis. Bah il commence bien, puissance et vitesse. Ouais mais c'est un niveau 2. Oh, ce level quasiment parfait. Génocide. Ah non, ça va. Il résiste, le boss. Le mec, il a nettoyé la meuble quasiment à lui tout seul. Oh, Ben va crever. Alors, Faz, c'est ça ton unité cheatée, là? Là, ton mec cheaté, il est presque à crever, là, en fait. C'est ça ton mec cheaté? Il va mourir, hein. Ton mec cheaté, il va mourir, là. Oh, putain, je suis mort de rire. Oh, je suis MDR.
Ah, je suis MDR là. Je suis mort de rire si crève. Et alors, critique ou pas critique, il s'est fait viol. Qui êtes-vous? Je suis OK, gardien du désert. Le gardien du désert, je vais chasser ces bandits. Les hôtes n'ont pas à se battre. Attendez, les hôtes? Ouais, bah tu chasseras les mecs dans une autre vie, hein. T'es pas sérieux? Le mec a bloqué quoi? Qui a bloqué quoi? Je peux pas faire dormir le mec? Ah, j'ai pas été assez vigilant. Et c'est un game over, putain! Voilà, mais là, c'est un game over que je peux pas éviter, là! Ça, c'est un game over que je peux même pas éviter! Je ne peux pas éviter ce game over! Comment ça, Chiki, le jeu que tu aimes, tu peux pas. Ah oui! Normal? Je crois que j'ai banni le mot. Je crois que j'ai banni le mot. Chiki. C'est peut-être pour ça. J'en ai marre que les mecs, à chaque fois, ils se pointaient et marquaient Fortnite, Fortnite. Donc, ça me pétait les couilles, donc j'ai banni le mot. Non, j'ai censuré. Oui, mais non, mais j'en ai marre. À chaque fois qu'il y a des mecs qui arrivaient sur le stream, tu joues à Fortnite, tu joues à Fortnite, tu joues à Fortnite. Tu m'excuses, mais ça me pète les couilles. Ça me pète les couilles, les mecs qui me demandent ça. Si je joue à Fortnite, je ferai des lives sur Fortnite. Si je suis pas dessus, c'est que j'y joue pas. Alors me faites pas chier avec ce jeu. Ouais, bah Call of c'est mieux au Battle Royale. Bon, en même temps, ça m'étonne pas, mais quand même. La génialité, hein. Bon, bien sûr, ce coup-ci, je parie qu'elle aura pu esquiver, donc elle va crever, elle. Alors, elle avait tout esquivé. Ah, je sais ce que je voulais te faire. Donner un remède. Bon, on va essayer de s'en passer.
va essayer de se passer du remède. Je l'avais dit, elle esquivera plus rien. Tout à l'heure, elle avait tout esquivé, maintenant elle esquivera plus rien. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Tout à l'heure, elle avait tout esquivé. Hein. Et bien sûr, là maintenant, elle esquive plus. C'était tellement. Je voulais voir. Bon, on va. Maintenant, on va penser à foutre le remède sur un de mes heals. Tout à l'heure, elle avait tout esquivé, hein. Elle avait 100% d'esquive. Hein. Voilà. Bon bah plus l'avancer en mode bourrin. Hein. Ah il fait plus de coups critiques lui. Depuis tout à l'heure j'ai découvert. Ok bonne nuit Fila. Ah je la mets là pour tanker les mages. Et bien sûr, je l'ai mis au mauvais endroit. Ouais, je peux pas les soigner le mec. Alors. Bon bah maintenant c'est Lucius qui va crever par manque d'esquive. C'est un recluse en fait de la RNG là. C'est la recluse de la RNG là en fait. Tout le monde est obligé de crever. Sur une situation un des mecs va crever. La première fois que j'ai fait cette map, ça se passait super bien. Puis là, maintenant, j'arrive même plus à franchir le premier tour. Mais nique ta mère, le jeu. Nique juste bien ta mère. C'est bizarre. La première fois que j'ai fait la truc, ça s'est super bien déroulé. À part l'IA qui s'est fait tuer comme une conne. Et là, non, bah non, 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 ça veut plus passer maintenant. Bah non, ils savent plus esquiver. À du 50%, ils savent plus esquiver. Ah non, c'est trop compliqué, apparemment. Putain de saloperie. Bon bah on va la jouer safe hein, puisqu'apparemment je ne sais plus esquiver. Putain. Ok Steven. Oh le con. Il y a deux archers. Elle va se faire viole. Bon là j'ai fait le con.
Là, je mérite de mourir. Oh, je fais tellement pas attention, c'est abusé. Non, mais cette mort là, je la mérite là, sur elle. La meuf, je la mets juste pile poil à la portée de tous les archers du monde, mais. Ouais, je mérite de mourir là. Ouais, là, à peine il a déjà pris des dégâts. Ouais, super. Ça annonce bien. Bon, vous voulez pas m'achever ma Florina tout de suite, que je reset là, au lieu de me faire attendre. Ah bah non, elle est pas morte. Attends. Non, non, mais sérieusement, le mage blanc. Le mage blanc avec la bague sage, il est mort. Il allait se suicider sur lui. Ah, je déteste ces putains d'IA. Tu sers à rien, tu sers à rien, tu sers à rien, tu sers à rien, tu sers à rien. Critique. Je peux même pas aller le tuer parce que si je le touche, je me fais violer. Très bien, où t'es? Je sais, j'ai vu sur ton compte, tu as argent. Oui, mais en 3v3, maintenant essaye de passer argent en 5v5. Après, on en reparle. Oui, Pen va crever, oui, bah oui. Ah,
Ah, et c'est ça ton mec cheaté, le mec qui se viole par la main de l'unité qui se pointe? Non. T'es en 3v3 en argent. Non, 5v5. Oui, le remède, il a pas de portée dans le jeu, mais... Comment voulez-vous que je sauve cette unité? Je suis pas de portée avec le remède. Donc maintenant, je dois aussi avoir de la chance que la RNG fait que le mec arrive à esquiver pour pas crever. Cette main va me casser les couilles. Parce que lui, il me pète les couilles en fait. Putain, mais t'as un élixir, utilise un élixir, fils de pute! Le mec il a un élixir, il est même pas capable de l'utiliser, va, fils de pute va. Je le prends pas mal, mais je m'en fous, tu sais. Hein. Régène-toi, enculé. Mais régène-toi, enculé. Mec, t'as 2 points de vie, régène-toi. Un peu de bon sens, nom de Zeus. Bon, il fait 23 de dégâts, ok, il a 26 de critique. On va faire une save tête parce que j'ai pas envie de recommencer ça. Parce que ça pète les couilles, surtout que cette map est trop soumise à la RNG. Encore plus que d'habitude. Je dois bien aller que ça me pète les couilles. Une telle RNG. Salut ça. Mmh.
Magie vitesse, vas-y, encore plus de vitesse pour ce mec. T'as un pile poil. Il lui manque rien pour esquiver cet enculé. Le jeu peut se heal et se heal pas, donc si l'unité verte crève, j'ai un game over. Qui est sympa. D'accord, c'est ce qu'on appelle du viol. Dans le jargon. Mais régène-toi, putain! Mais régène-toi, t'as un item qui te met full vie! Mais régène-toi, fils de pute! Je suis blessé! Mais je suis blessé, mais je trouve ça excitant! Ces gens sont trop forts, Paul! Étant donné qu'il s'appelle Jasmine, j'ai obligé de lui faire une voix de tantouse. Le level de merde! Level de merde! Level de merde! Bon, normalement il craint plus rien là le mec. Les mages peuvent pas lui faire de dégâts. Mais bon, j'ai enfin réussi à le sauver et j'ai récupéré le diamant. Voilà. Et je traite de crever comme une merde. Qui veut de l'XP facile? Qui veut de l'XP facile? Bon bah, le suivi de l'XP facile vient de le critiquer. Quelle cuisante défaite, mon frère! C'est une tragédie, Jasmine. Apparemment, Lucius voulait encore plus de level. Mais putain, mais ce monstre! Bon, c'est dommage qu'il ait pas un seul point de défense, mais... Ah, je dois génocider tout le monde? Ah. Bon bah... Je dois génocider tout le monde. Qui a besoin de vie? Comment dire qu'ils arrivent un peu à l'infini, vos mecs là? Thank you.
Heureux. Enfin fini cette map. Je déteste les maps. D'ailleurs, je déteste les maps avec des trucs de terrain qui font chier. Que ce soit la pluie, le brouillard ou le désert, je déteste ça. En tout cas, je connais un qui sera fait plaisir sur cette map. Parce que dans les mêmes déserts, les seules unités qui sont pas affectées par le désert, ce sont les mages et les unités volantes. Je sais pas pourquoi les mages, eux, sont pas affectés par le sable, mais ils sont pas affectés. Je sais, j'ai jamais compris en quoi. Ils ont une sorte de lévitation qui leur permet de voler à un centimètre du sol, donc pas être gênés de leur déplacement dans du sable. J'en sais rien. Vous m'avez sauvé, merci infiniment. Le gros était de là, nous devions intervenir. Dites, que faites-vous sur ces terres perdues? Eh bien, on nous a conseillé de venir parler à la légende du ventre. La légende du ventre, ha ha ha, je vois, c'est si bien dit. Oui, c'est la magie noire. C'est la magie noire, c'est pour ça que Lucius, qui est l'élément lumière,
Les massacres, il a l'avantage d'élément. Et les ténèbres, basent les trois magies élémentaires, feu, foudre et vent. Ouais, pour l'instant, j'ai eu du feu et du foudre. J'ai pas vu de magie vente dans le jeu encore. Je sais pas si elle existait encore, la magie vente dans le jeu. Mais savez-vous faire... Mais savez-vous à qui fait cette allusion? À qui fait cette allusion? Oui, je suppose. On dirait que vous en êtes au même endroit. Ok, vous aussi, vous êtes là. Ben, vous l'avez trouvé? Oui. Quand j'ai pensé, c'est spectaculaire. La nuit tombe. Rentrons. Oui, dépêchons-nous. La nuit, le désert est trop dangereux. Dans ce cas... Ils sont là. Bienvenue, enfant de Roland. Nous venons du Cerbium, vous comprenez? Que voulez-vous dire? Je crois que je l'ai deviné. Il y a 1000 ans, les hommes et les dragons livrèrent bataille sur ce continent. Puis les hommes gagnèrent et les dragons furent chassés de ce monde. C'est exact. D'hommes contre les dragons. Ces guerres furent plus tard baptisées le purgatoire. Vous connaissez les 8 légendes, les héros qui ont permis cette victoire? Oui, tout le monde connaît le récit des 8 légendes. J'ai grandi à Sakai, donc je connais Anon et Kuyé. Sakai était la terre natale d'Anon. Oui, film vert, c'est à l'animation, c'est de la glace, mais c'est considéré comme une magie de vent. La magie de glace n'existe pas en tant que telle dans Fire Emblem. Il n'existe que 5 types de magie. Le feu, le foudre, la foudre, le vent, la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'autres éléments. Mais un certain tome de haut level, c'est pas pourquoi. Ça reste une magie élémentaire d'une des 5 que je viens de vous dire. Mais au niveau d'animation, bah par exemple, pour Finn Burge, tu vois de la glace. Or que c'est une magie de vent. Ok, d'accord, le froid antarctique peut être glaçant, mais quand même, pas à ce point. La Viron aussi a été fondée par Roland le Vaillant. C'est pourquoi vous nous avez appelé enfant de Roland, n'est-ce pas? C'est exact, fille d'Anon et de Roland. Mais qui êtes-vous? Je suis Athos. On surnomme l'Archimage. Athos, mais... Comment? L'Archimage Athos était l'une des 8 légendes. Si vous étiez vraiment cet homme, vous aurez aujourd'hui plus de 1000 ans. Et moi, des plans de mystère. Les raisons d'un mystère engendre d'autres énigmes. Sans le savoir, je suis éloigné de mes semblables. La vérité ne connaît pas de frontières. Un millier d'années, c'est trop long. C'était nul, Stardust. C'est grâce à ses gentils que nous pouvons nous rencontrer aujourd'hui. Et bien, non, tout est clair à présent. Vous êtes là parce que vous voulez arrêter Nergal, n'est-ce pas? Oui, le marquis de Sian vous a mis au courant. Non. C'est tout ce qui se passe sur ce continent. Et là, je ne peux empêcher des as que je pressens. Nice nous a déjà dit une chose semblable. Mon pouvoir me permet de pressentir le danger imminent, mais je ne peux rien faire pour l'empêcher de se produire. Nice, l'un des enfants de la destinée. Il est avec nous, mais quelque chose d'or a capté son attention. Oui, quelque chose à lui retenir. Pardon, Nergal, comment l'arrêter? Que pouvez-vous nous dire? Des conseils à nous donner? Non, votre ennemi, tout comme moi, n'est plus vraiment humain. Il serait-il, pour ne pas dire impossible, de le vaincre avec les armes conventionnelles? Il détient un terrible pouvoir. Sa force infinie provient d'une ancienne magie interdite. Pour le vaincre, il vous faudra trouver une riposte appropriée. Quelle sorte de riposte? Pendant qu'il se repose, trouvez la force qui vous permettra de vous opposer à lui. Dites-nous quelle est cette force, nous sommes prêts à tout. De terribles épreuves vous attendent. Et de terribles déceptions aussi. Vous pourrez retirer votre décision. Voulez-vous vraiment tuer les enfants? Notre désertion est inébranlable. C'est une voie sans retour. Nous savions depuis le début. Nous sommes invisibles, vous verrez. Lynn, ta gueule, t'es faible. En somme, nous sommes forts comme personne. Lynn, ta gueule, t'es faible. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à vous dire ce que vous devez faire. M'avez-vous bien compris? Oui. Nous devons nous rendre à Biran et trouver le temple des sauts, c'est ça? Emmenez-le avec vous, sa force sera un véritable atout. Merci. Et vous? Que dites-vous, Pente et Louise? Nergal, un magicien aussi fort que vous, Lord Athos, et le retour des dragons en histoire intrigante. Pardonnez ces présentations tardives. Je suis Pente, comte de régler d'Etruria. Et voici Louise, mon épouse. C'est un honneur de vous rencontrer. Comte de régler, vous êtes le comte de régler? Eh bien quoi, c'est quelqu'un de si spécial que ça?
Il appartient à la plus grande maison d'Etruria. C'est un illustre général magicien. Que êtes-vous dans un endroit pareil? On va bientôt fêter les 18 ans du successeur de Bir. Bent et Louise ont été invités pour représenter Etruria. Faites-en dire que nous avons du temps pour chercher un artefact perdu la 10 dans les sables du désert. Vous êtes arrivé peu de temps après. Peut-être que vous êtes guidé par quelque chose. Les uns semblent nous contraindre. Ma femme et moi à nous joindre à vous, si vous le voulez bien. Bien entendu. Eliou, vous êtes d'accord? Allez-vous informer votre village de cette décision? Il n'y a pas la moindre raison d'informer qui que ce soit. Et qui nous croirait? De plus, une raison nous a sorti très longtemps. Je dois vraiment que ça suscite une quelque intitude. N'est-ce pas, ma chérie? Ici, vous avez raison, mon amour. Ce n'est pas comme certains hommes dont nous avons entendu parler. Excellent, merci. Nous vous souhaitons de tout cœur la bienvenue. Oh putain, je sais plus lire à cette heure. Merci. Le temps prêt, je vous envoie aller ici. Ok, rassemblez tout le monde sur la place. Vous êtes boléro, n'est-ce pas? Le dessin propage un vent étrange dans votre direction. Enfin, comme ça, vous êtes mis à l'épreuve. Je veux que vous preniez ceci. Il manque les capacités naturelles innées de celui qui utilise. Donnez-le à celui qui, selon vous, profitera le plus. Ne cachez pas ses pouvoirs en le creusant jalousement. Utilisez-le. Ouais, bah j'attends d'être level 20. Oh, Afa, attends, ça fait quoi l'eau, Afa? Tout le monde est là? Parfait. Eliwood, votre pays est proche de Biran, non? En effet. Bien, maintenant, pensez maintenant à un endroit beau et vaste dans Ferraille. J'imagine que vous pourrez rencontrer... Qui vous pourrez rencontrer dans un endroit pareil, d'accord? Enfin, Roland, il est l'heure de nous dire adieu. Vous devez trouver le temple des sceaux. C'est là que les portes de vos destins s'ouvriront. Et vous ouvrirez la porte de lumière. Mon amour, je peux pas croire que vous êtes parti. Quand je ferme les yeux, je vous vois à mes côtés. Votre souvenir me hante et me fait souffrir. Elbert, entendez mes prières et veillez sur notre fils. Mère? Comment? Eliwood, où êtes-vous? Mère, je suis à la maison, je suis de retour. Oh, Eliwood, est-ce vraiment vous? Mais comment avez-vous fait? Vous m'avez fait peur. Pardonnez-moi, mère. L'archimède vous a envoyé vers vous. Vous semblez exténué. Auriez-vous maigri? Allons, approchez un peu que je vous regarde un peu. Mère, au sujet de père, on raconte que sa mort a été glorieuse. Bien qu'il soit plus là, il demeure ma seule joie. Je sais. Allons nous occuper de vos amis. Ils semblent tous avoir besoin d'un peu de repos. Je suis désolé, mère. Mais nous devons repartir au plus vite. Je le sais bien. Mais une seule nuit ici, au château. Eliwood, juste pour ce soir, mère. Une nuit ne peut pas nous faire de mal. Qui sait quand nous reviendrons ici? Oui, c'est donc. Je suis exténué. Hector Orline, merci. Boléro, vous ne dormez pas? Connaissez-vous Biran? Moi non plus, rien de plus qu'on racontait à la cour. Mais vous avez parcouru le monde entier, vous en savez probablement plus que moi. À propos, Boléro, de quelle contrée venez-vous? Avant de rencontrer Nidhi Sasekai, où étiez-vous? Si vous ne voulez pas en parler, je ne serai pas fâché. Ah bah, j'ai perdu la mémoire. Juste que nous nous connaissons depuis si longtemps, et je ne sais strictement rien sur vous. Pourriez-vous m'en dire plus sur votre personne? Je voudrais tout savoir sur vous et votre passé. Au dernier rendez-vous, si tu te souviens bien, je suis amnésique. Il peut être compliqué pour raconter ma vie. Suivant les conseils de l'archimage Athos, Eliwood part pour Biran. Le royaume de Biran. Non, c'est bizarre, Biran ça me dit quelque chose. Autre chose que dans Fire Emblem Biran. La plus grande force militaire de tout le continent. La Terre a toujours entretenu d'excellentes relations avec le royaume de Biran. Toutefois, le roi Desmond a récemment ordonné le déploiement des troupes. Biran a fermé toutes ses frontières aux nobles de Lycia. Eliwood et son groupe se sont affrétés dans le royaume sous le manteau de voyageurs ordinaires. Je ne serai pas fâché, c'est juste que nous nous connaissons depuis si longtemps. Et que je sais strictement rien sur vous. Pourriez-vous m'en dire plus sur votre personne? Je voudrais savoir sur vous et votre passé. Oh non, il me brouillard. Nous avons rejoint Biran en un instant. C'est incroyable. Même ce petit village retiré, ils savent que le prince a fêté ses 18 ans. La cérémonie du prince Zéphiel doit avoir lieu dans 10 jours à peine. Tout le monde est excité, c'est normal. Ils n'ont aucune idée des éléments qui se profilent. Quelle insouciance. Dites-moi, ok.
Savez-vous où se trouve le temple des Sceaux? Il paraît qu'il se situe au nord de Biran. Mais sa location précise est tenue secrète. Je crois bien que seule la famille royale y a accès. Donc, pour trouver le temple, nous allons prendre contact avec la famille royale, c'est ça? Sans leur révéler nos identités et nos motivations? Il doit bien y avoir un autre moyen de trouver ce temple. Je peux juste vous donner des indications apocalyptiques sur son emplacement. Lord Pent. Étant donné la fonction, je suis tenu informé de tout ce qui relève des secrets défense d'Eturia et des autres pays. Lorsque nous avons appris l'existence du temple, nous avons enquêté. Toutefois, aucun de nos agents secrets n'en est revenu. La défense du Baron est infranchissable. Donc même si nous intègrons le temple, nous serons à un coup sûr capturés. En effet. S'il découvre qui vous êtes, Biran, il verra un prétexte pour envahir Lycia. Ceci, plus que tout, doit être évité. C'est là que j'entre en jeu, que voulez-vous dire? Je suis dans l'obligation de prendre part au festin qui se croit à cérémonie. Pas j'irai en faire de la reine avant la fête. En personne, vous pouvez faire ça. La reine Elena est née à Etruria. Nous sommes des parents éloignés. Quand j'arrive, je lui demanderai discrètement l'emplacement du temple. Évidemment, elle ne s'étendra pas sur les tailles, mais un rien pourrait nous aider, n'est-ce pas? Soyez rassurés, car même si j'échoue, je ne vous trahirai pas. Lors de penser. Attendez jusqu'à demain. Si nous ne sommes pas de retour, allez à Lycia et trouvez un autre plan, d'accord? Ouais, je sais que va-t-il vous arriver, rassurez-vous. Car je ne risque pas grand-chose. Je serai destiné à mes fonctions. Et je serai obligé de m'enfuir avec lui. Je serai près de vous, Lord Pen, peu importe ce qui arrive. Je prie pour votre succès. Oui, priez, venez, lui. Laissez-vous revenir indemne. Nous attendrons votre retour. Pen, attendez. Y a-t-il ok? Ne m'êtes pas chargé de garder cet objet. Laissez un ce machin, il en existe trois seulement au monde. Quelles sont les intentions d'Archimaratos? Je dois leur donner au moment venu. Je vois. J'ai peur de ne pas savoir quel est le bon moment. Je veux que vous en preniez soin. Merci, mais si nous ne revenions pas, vous reviendrez. Louise et vous allez réussir. Je comprends. Lord Ok, nous prévenons de réussir et de revenir. Oh, Nino! Nino, c'est vraiment vous? Hé, hey, là, Edlinus! Planeur, vous êtes en mission? On dirait bien. Et vous? Pourquoi êtes-vous si pressé? Moi aussi, j'ai du travail. J'ai apporté un message à mère. Je dois me surpasser. À bientôt. Nous nous reverrons après votre mission. Elle est gentille. Puis, difficile de croire qu'elle est l'enfant de cette femme. J'en peux plus d'attendre les Silver croisés. Je comprends, mais nous n'avons pas le choix. Pourquoi ne pas enquêter sur Black Fang? Quoi, enquêter? Oui, le quartier général de Black Fang se trouve à Biran. Toutefois, j'ignore son emplacement exact. Le Black Fang a changé, il n'est plus ce qu'il était. Tout ce que nous pourrons apprendre est susceptible d'être très bénéfique. C'est une bonne idée, je vous remercie, les gouttes. Il n'y a pas de quoi. Qu'en pensez-vous, Bolero? Vous avez raison, toute information sera un début. Bien entendu, allons-y. Séparons-nous et présentez dans la discrétion. Soyez prudents. Surtout vous, Hector. Comment? C'est de là. Soit il se déteste, soit il s'adore. Hihihi. Qu'est-ce qui vous amuse, Inyan? C'est drôle de vous entendre maugrer Lord Hollywood. On dirait que vous êtes leur chaperon, vraiment. C'est l'impression que je donne? Oui. C'est hilarant. Ha ha ha. C'est suffisant de vous entendre rire, pardon? Non, rien, allez, venez. Y a-t-il vraiment d'eux? Je croyais qu'ils étaient à Nabata. À quoi cela nous allons savoir où ils étaient? Nous avons retrouvé, alors occupez-nous d'eux. Vous avez raison. Linus allait dire à notre père ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Ils sont juste devant nous. Vous et moi, nous pouvons régler ça maintenant. C'est par pure précaution. Les Fang n'ont pas droit à l'erreur. Ne vous en faites pas, j'ai toute une armée sous mes ordres. Tu as tiré lui vers la forteresse du Nord. Oui, c'est sûr de réussir, mais si on se reverse, c'est ici qui doit être fort. Je vais éviter les ennuis. Tracez votre rapport et revenez avec des renforts. Vous plaisantez, comment êtes-vous qu'il vous résiste? Vous êtes le loup blanc! Égression, Linus, à vos ordres. Je vais faire vite, alors laissez-moi quelques-uns. Vous devez être Hollywood. Ah, un Black Fang, c'est exact. Vous avez l'honneur d'être assigné par les 4 Fang. Notre commandant est Lord Lloyd, le loup blanc. Hollywood serait l'ennemi? Il faut qu'on trace aux armes, tout le monde. Nous allons vous tordre le cou. Bénéfique pour une unité qu'il utilise, c'est dire quoi?
Ah, j'ai droit à beaucoup de gens. Ah bah c'est cool, comme ça je peux prendre Rat avec moi. Et comme ça je garderai Becca avec moi. Bon, faut donc juste que je la rééquipe maintenant. Je vais voir ce que ça fait, l'eau bizarre, là. C'est quoi, ces stats? 14, 13, 12. 14, 13, 12. 4, non. 14, 17, 12. Maturité augmentée. Hein? J'ai pas compris ce que c'était. J'ai pas compris à quoi ça sert, maturité augmentée. C'est-à-dire quoi, maturité augmentée? Il est devenu plus adulte en buvant une boisson? Ou... Je sais pas ce que peut faire le... Je vais aller chercher sur internet parce que j'ai pas moindre idée de ce que ça fait. J'ai pas la moindre idée de ce que ça fait, le OAFA. Je vais aller chercher sur internet. Fire Emblem OAFA. Ok, d'accord, le gros... D'accord. Ok, l'OAFA... Apparemment, d'après ce que j'ai lu vite fait sur internet, ça augmente le gros rat de toutes les salles de 5%. Et apparemment, ça donne un peu plus d'XP. Donc en gros, faut utiliser ça sur un personnage faible. Qui est en train de recruter et qui a pas beaucoup de level. Ouais, donc en gros, je vais pas l'utiliser maintenant, quoi. Ah, il y a une arène. Bah, elle est petite, l'arène. Arme, magasin. Putain, mais là, ils sont petits, les bâtiments. Ah oui, parce que c'est... D'accord, oui, c'est une vue... De loin, là, étant donné qu'on voit les petits villages. D'accord. Ouais, il faut que je pense aussi à donner des torches. Alors, ref, il a... Oh, rien.
Je sais pas si Mathieu va être utile sur cette map. Bah là en fait j'allais surtout coucher parce que là je suis crevé, je fais que de bailler, donc on a vu qu'il y a les rediffs sur YouTube, on va éviter de faire un truc où je fais que de bailler. Donc voilà. Donc je suis lancé de regarder. Pour la suite de Fire Emblem, ça sera quoi? Pas demain, ça sera lundi. Ça sera lundi soir. Donc sur ce, je vous remercie, je vous dis bonne nuit et à la prochaine. Et à plus sur YouTube.